du Borussia Dortmund. Les petits pas, la prise d'élan, la frappe et le contre-pied. 1-0 pour le Japon. But de Kagawa sur pénalty à la 5ème. Et après le carton rouge contre Carlos Sanchez, le Japon mène 1-0. Pour le Japon, il y a un deuxième Colombien qui vient faire, mais c'est Quintero qui essaye de la passer sous le mur dans le petit côté. C'est rentré. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que la montre de l'arbitre a vibré? Kawashima qui a plongé, qui a pris le ballon dans ses mains. Et ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ah, partout entre la Colombie et le Japon. Le coup franc astucieux de Quintero sous le mur. Et petit côté, Kawashima qui est trop court. Et pour quelques centimètres, le ballon qui rentre. Un partout entre la Colombie et le Japon. 39ème minute. Corner pour les Japonais. Tiré par le pied gauche de Keskanda. La tête des Japonais. Le but. 2-1 pour le Japon. Un but signé du numéro 15, Yuya Osako. La tête pour le Japon. Et le Japon qui mène 2-1 dans cette partie. 73ème minute. Et la Colombie est toujours à 10. Il va falloir aller les chercher, ces Japonais, maintenant pour les Cafeteros. Nyang dans l'axe avec Sadio Mané. On va se rapprocher de la surface de réparation. L'enchaînement avec la frappe de Gueye. Au ras du sol, il est contré. Et le but. Et le but. Et le but. Et l'ouverture du score. Voilà, c'est l'image du match. Voilà, tu as vu quelle belle action. Voilà du foot. Et voilà c'est du football. Quel on attention avec le ballon qui est revenu derrière. Oh, la sortie des Bichets. Avec le ballon récupéré par Nyang. Et le but. Et le but. Oh, le but. Oh, le deuxième but du Sénégal. Nyang qui venait de rentrer, de revenir dans le jeu. Ce ballon qui est mal négocié au milieu de terrain. Benahia qui regarde le gardien Chesney qui sort. Et c'est qui récupère le ballon? C'est Nyang qui vient récupérer le ballon entre le défenseur et le gardien de but. Incompréhension totale de la part des Polonais. Le coup franc de Grosic qui la tête de Krikoviak. Et le but. Non, Krikoviak. Et le but. Quel joueur et incroyable. Et le but de l'écart pour la Pologne sur ce ballon de Grosic. L'ancien allié qui dépose la balle au deuxième poteau. Voilà. 2-1 pour le Sénégal face à la Pologne. Contre son camp d'Ahmed Fati. C'est contre son camp la frappe repoussée des deux points. D'abord par Mohamed El Chenaoui, puis à l'entrée de la surface. C'est Alexander Samedov, me semble-t-il, qui fait une reprise de volée un petit peu topée, mais qui est contré par Ahmed Fati sous la pression d'Artem Dzyuba et qui termine dans le petit filet gauche de Mohamed El Chenaoui. 1-0 pour la Russie. Aurélien. Effectivement, avec notamment, attention, peut-être une deuxième but. À condition de ne pas prendre le second. Denis Cheryshev, ce troisième but personnel pour Denis Cheryshev. Et ça fait 2-0 la Russie, parce que j'ai un petit peu révisé. 2-0 pour la Russie contre l'Egypte. Attention, 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 et pas sur Dzyuba. Dzyuba 3-0 pour la Russie, ça s'enchaîne. C'est parti pour Mohamed Salah face à Kinfeya. Salah 3-1 à 17 minutes de la fin de ce match.